John Fuss, la nuit a été courte parce qu'après un match comme celui d'hier contre Zug, on réfléchit beaucoup pendant la nuit. Oui, j'espère que les joueurs ont bien dormi, mais c'est sûr que les coachs, le travail commence après le match à analyser et préparer pour aujourd'hui. C'est sûr que hier on a travaillé fort, mais Zug était une équipe qui voulait gagner à tout prix. Ils devaient gagner et ils ont bien protégé leurs jeunes gardiens. Ah ben non, ben il faut passer à autre chose, il faut tout de suite se remobiliser pour ce match contre Ambry. Qu'est-ce qui va changer par rapport à hier? On a changé les lignes un petit peu pour aujourd'hui, pour Ambry, d'essayer de développer une énergie. Mais à la fin, ça ne va pas être le système qui va décider aujourd'hui. C'est vraiment la volonté et le travail qu'il va faire et les détails qui vont faire la différence. Est-ce que le Lausanne Hockey Club se déplace avec une forme de pression, avec la pression de devoir gagner aujourd'hui ou pas? Non, pas du tout. C'est eux qui sont hauts dans le classement. Nous, on est assez bien placés. Mais c'est un match, on veut trouver une solution d'hier. Il faut toujours, sur les back-to-back, travailler fort. Eux, ils ont reposé. Nous, on a joué hier soir. Mais on veut changer ce train que c'est difficile pour l'équipe qui a joué le soir avant.